Y'a tout le monde les gens, c'est Aprox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un renouveau sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune vidéo sur ma chaîne. Et le but c'était un peu d'enlever le surplus de vidéos qui ne correspondait plus. Et du coup, aujourd'hui c'est un Platinium. Forcément, c'est tout nouveau, le Platinium, le principe c'est quoi? Bah ouais, logique. Faut faire tous les trophées pour avoir le trophée Platine. On fait tous les trophées pour avoir le trophée Platine, c'est parti. Bon, on est parti, on va faire l'histoire principale et puis 2-3 quêtes en premier, puis on verra par la suite. Pour utiliser la lecture d'écran, appuyez sur touche carré. Qu'est-ce qu'il me dit lui, non? C'est sympa. Pour utiliser la lecture d'écran, appuyez sur touche carré. Ta gueule! Hop, avant, un peu d'histoire. Spider-Man 2 fait suite directement à Spider-Man 1 et son DLC Spider-Man Miles Morales. Qui est prévu que je fasse les deux en Platinium, mais on verra un peu plus tard. Parce que des Spider-Man, j'en ai bouffé pendant 4 jours là. Je n'en peux plus. Du coup, moi je fais l'histoire. De toute façon, c'est pas bien compliqué. On gagne un trophée. Pas toutes les missions, mais à la plupart des missions. Et on se retrouve à la fin. Et puis en attendant, regardez tout ce que j'ai débloqué. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, là, c'est une screen au moins. T'es long les titres. Oh. Terminé, tension de surface. Ça va. Bon, maintenant que j'ai fini l'histoire principale, qui a mis 3 jours à être fini, parce que c'est super galère en vrai de vrai, quand on est comme moi et qu'on oublie d'augmenter les compétences. Voilà. Maintenant, on va finir la partie à 100%. Donc, finir toutes les missions annexes, toutes les activités, tous les collectifs, tout. Faut tout finir maintenant. Ah, faut changer de Spider-Man. On va changer de Spider-Man. Ah, c'est horrible ça. Allez! Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Oh, c'est horrible. Te voilà. Allez. En haut, en bas. Allez. Voilà. Ah, terminé tous les nids de symbiote. Eh ben bien. C'est quoi? Et j'ai fait prendre toutes les photos, ok. Un de plus, allez. Constituer ses souvenirs éparpillés, ok. Faire des tenues. Il pouvait pas arriver 2 secondes plus tôt, les chasseurs. Salut, Spider-Man. Désolé, Howard était un ami. Prenez tout le temps que vous, si je puis me permettre. Il avait l'air d'être en paix. Ouais, il vit une nouvelle aventure maintenant, aux côtés de sa femme. Ah, terminé toutes les bords là, en fait. Oh, l'araignée s'est terminé toutes les demandes à SDQ. Oui. Les fondamentales, terminer toutes les expériences. Oui. On va rester sur mes gardes au cas où il reviendrait. Ça risque de pas vraiment plaire à Yuri. Ah. Terminé
dernier cycle identifié. Bon, maintenant que tous les collectifs sont faits et les missions SDQ, il nous reste les missions annexes et les améliorations. Et après, eh ben on part en New Game Plus. Terminé le grand final. Atteindre le niveau max. Oh mon. On va bien finir. Fierté. Et ben voilà. Acquérir tous les gadgets. Bon. J'ai pas le temps. Maintenant, quand je vais voir qu'il y a un trophée, où on va aller jouer de la musique. Voilà, ma communauté. Terminé notre espoir. Le record là, terminé, il fallait que je m'en empare. Acquérir toutes les tenues disponibles. Et terminer tous les quartiers à 6%. Et voilà, maintenant qu'on a fini tous les trophées liés à l'histoire, qu'on débloque facilement en faisant l'histoire surtout, maintenant on va faire tous les trophées cachés entre guillemets, c'est-à-dire des petits défis, faire home run, faire splash comme un oiseau, savoir quoi faire, etc. etc. C'est parti. Alors les trophées, ah il nous en manque 13 quand même hein. Ok. Donc là, alors... Faire le tour des bases, allez. Ben, je crois que c'est juste ça. Hein. Si, c'est ça. Et ben, un de plus. Là-bas. Hop. Voilà. On va faire les pas obtenus. Réaliser 30 figures aériennes. Ok. 11 ennemis à l'aide des Spider-Bois. Et ça, on va le faire en New Game Plus, je pense, ça ira. Ça, c'est quoi? Du coup, faut que je passe des quartiers des affaires à Astora. Donc, c'est là, Astora. C'est là. C'est-à-dire, si on les chope ici. Enfin, c'est quartier des affaires, donc. Ouais, on va essayer. Chercher un plus grand tour, mais je crois que je suis à côté. Hop, il faut qu'on aille ici. Parti. Je m'attendais à plus dur de celui-là. Donc les pas obtenus, je m'en fous. Hop. Il me manque quoi? 30 figures aériennes. Rater une figure. Et ben ça. Voilà. On va prendre Miles. Et par contre, je sais plus où j'ai, mais je crois que c'est sur une église. This is on an église qui est allez, où l'église? Ouais, je crois qu'elle est là dedans l'église. Oula, j'en sais rien en fait. Là. Non, c'est pas ça. On va regarder après au pire. Je crois que c'est pas celle-là. Hein. Non, c'est pas celle-là. Donc là. Ouais, c'est la même en fait. Ok. On grimpe. Et ta gueule! Hop. Et là, voilà. On attend. Ben voilà. C'est plus simple que je le pensais. Bon. Maintenant que j'ai fini tous les trophées que je pouvais sur cette partie, les deux derniers, c'est des trucs de combat. Et vu que je fais le 100% en New Game Plus, bah je les ferai en New Game Plus du coup. Allez, on y va. Bon, cette partie, je remets en sympa. Non, je pourrais pas. Je vais couper le parti. C'est parti pour le New Game Plus. Ouais, non, par contre. Faut pas dégager les cinématiques qu'on a déjà vu. En New Game Plus, ça aurait pu être pas mal. Ou j'aurais un truc pour les désactiver, ça aurait été bien. On va passer à la cinématique. Hop. Allez, c'est parti. Oh, les cinématiques, c'est bon, je les ai déjà vues. Elles m'ont déjà saoulé. Déjà ? Hop. C'est ce moment-là. Voilà.
Voilà. Maintenant que j'ai le platine, il me reste un trophée pour avoir le 100%. Il y en a 42 sur le jeu original. Et en New Game Plus, il y en a un. Il y a 43 trophées au total. Je vous ai déjà pas montré l'histoire au début, je vais pas vous la remontrer là. Hein. On va direct au trophée. Déjà oublié les ratés que Flash nous a mises pendant 4 ans! Nous étions faibles à l'époque. Mais on comptait l'un sur l'autre! Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Genre le temps de charger une cinématique et une boucle de cinématique pré-rendue. Enfin, une game qui est pas en cinématique du coup, j'ai rien compris. Enfin ! Et voilà, je l'ai enfin eu mon platine. Techniquement, je l'ai eu bien avant, mais je le voulais jusqu'au bout en faisant le jeu en New Game Plus aussi. Je voulais tous les trophées du jeu, et forcément quand les DLC sortiront, parce qu'il me semble qu'il y a des DLC prévus sur Spider-Man 2, bah, je referai le platine des DLC. Et puis voilà, abonne-toi, mets un j'aime, commente pour me dire les défauts, parce que c'est la première vidéo que je monte comme ça. Donc n'oublie pas, c'est important pour que je m'améliore, et pour que toi tu puisses continuer à kiffer. Je te retrouve la prochaine fois pour un platinium nostalgique, normalement. Allez, salut.